petit dindon. Comment allez-vous? Sur la vidéo où je râle, petit café, café Reine des Neiges. J'ai eu de très bons retours sur le fait que on va continuer mais à une autre façon. On va pas suivre. On va faire ce qu'on faisait avant. Parce que ça me plaisait beaucoup plus. Du coup j'ai décidé, je vais faire ça cet après-midi, on va voir. J'ai fait ça ce matin. Alliance, vous allez voir ce que j'ai up. Surprise. Et du Gambit qui est monté. Voilà. C'est plus haut. Voilà. C'est ce setting là. Voilà. On peut pas cliquer dessus. On va aller voir le champion. On va aller voir ce champion. J'ai décidé, tant que Kaba me donnera pas un truc correct, je vais m'amuser à up des crouilles. J'ai dit que je ferai, je vais faire et je vais continuer. Il est là. Est-ce que je le fais? Allez hop, c'est parti. Je gardais cette gemme d'éveil pour Nick Fury. Et étant donné que j'ai pas Nick Fury et que je cours après Nick Fury depuis maintenant des mois, et je cours après la torche depuis des mois, ça m'a saoulé. Du coup voilà, éveil de... On va voir le canard. Alors... J'ai presque une chance sur deux d'activer réparation. Je cache pas que j'ai joué un peu avec... avec tout à l'heure. C'est pas ouf, mais c'est rigolo. C'est pas un combat qu'on pourrait faire vite fait... On va faire genre 20 coups avec le soldat d'hiver, pas plus, histoire de 20 coups, enfin, taper, j'explique son gameplay qui est extrêmement compliqué. C'est parti, donc vous mettez dans les commentaires, j'ai les petits pouces bleus là, je kiffe quand vous faites ça, franchement je pensais pas mais ouais ça fait plaisir. Et si, dans les commentaires j'ai plus de go up award de canard, je veux up award de canard, d'accord? Regardez comment ça tape. Allez, le but de War de Canard, je monte juste... Alors, j'ai jamais compris comment monter les furies. J'ai Dex, c'est pas grave, j'ai Dex, mais c'est pas grave. C'est soldat d'hiver. Hein. Voilà, il faut mettre 4 CP1. Au-delà de 4 CP1, ça tapera pas plus fort. Non, c'est peut-être mon tailleur qui est trop cru. Alors. Voilà. Et les furies, elles montent. On sait pas vraiment. Moi, je pense que c'est en fonction des dégâts. Des dégâts infligés. Moi, je pense que plus il y a de dégâts infligés, plus on garde. Tu vois que. Et plus les furies montent. Je suis déjà monté à 15-16 furies. Mais bon, depuis, c'est plus jamais rien passé. Donc là on va mettre un petit SP2 et je vais m'arrêter là. Regardez, c'est la furie montée, je sais même pas pourquoi. Comment on a activé le Thunderquake? Oh là là, quelle puissance! Ah je vais taper parce que ça envoie du... 6 furies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à mon ward? Voilà le problème, les furies ne restent pas et elles sont, elles s'estompent. Et on n'a toujours pas découvert le pourquoi elles s'estompent aussi vite. Ou des fois pas du tout. Là, elle est partie alors que... Bon, après c'est des combats, je vous cache pas. Abominable. Le temps de pouvoir plutôt sympa. Vous avez vu? Vous voyez, ça monte avec quoi? Ça monte avec les dégâts. Là, je vais enchaîner. 8 furies. Pas combien il était, mais c'est pas mal. C'est un 5R4. On fait avec. On va le monter 5R5. Si dans les commentaires vous voulez tous qu'on se tape des gameplays de World of Canard et que je fasse. Que normalement je peux faire. Voilà, full étourdissement. Tiens, regardez combien il a de buff sur lui. C'est abusé.
On va stopper là parce que. Allez, un dernier cuisse P2 pour la route. Ça, ça peut presque le faire. Si on pouvait garder ces furies avec nous tout le temps, ça pourrait être génial. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Donc, ouais, je vais le monter. Oui, il va passer, je vous dis. Enfin, je vous dis. Ça dépend si vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais bien avoir. Allez, allez, allez. 10 furies. Oh, regardez comment ça commence à taper. 12 furies. Oh, ça commence à être mignon là. Allez, on va mettre un speed avec 12 furies. 12 furies, c'est parti. 11, allez. C'est pas non plus la folie, mais ça commence à être sympa, là, franchement. Je pense que t'as jamais vu un gameplay de World of Canner aussi fou. On va mettre un speed avec, j'espère, un 12 furies. Allez, vas-y, monte. Voilà. 12 furies. J'ai déjà acheté 15 furies. Et 15 furies, ça commence à taper sévère. Mais je sais pas si on va y arriver. Je pense que les furies, je crois que j'ai trouvé la technique, elles arrivent en fonction des dégâts. Donc plus tu bourrines, regardez à la fin. 16 furies. 17 furies. On y est là. Oh là là. Ah, on commence à tapoter là. Il a fait aller à la fin du soldat de l'hiver pour que ça commence à être sympa. Ah, c'est dommage. Ah, petit brin de pouvoir et tout. Voilà. Je pense que ça doit être dans les 350 coups, 400 coups. C'est dégueulasse. Mais je me suis amusé. Je pense qu'en 5R5, il monte sa table plus fort à 344 coups. J'ai battu mon record de furie. Bon bah si vous a plu, on met ça R5. Si c'est de la merde, vous marquez c'est de la merde. Ou vous pouvez marquer aussi c'est de la merde, mais on le veut quand même R5. D'accord. Enfin je vous cache pas que tant que j'aurai Panic Fury, on va se faire un petit tour des up pourris. D'accord. On va regarder les 5 étoiles. Je vous propose. Ah, il y a un dilemme. Allez voir. Vous allez voir. Je vous propose en 5R5. Howard le Canard. Moon Knight. D'accord. Phoenix. Paul Walker. En 5R5. Vautour. Soldat de l'hiver. Vous choisissez là-dedans. D'accord. Vous choisissez celui que vous voulez. Et vous me dites ça. Vous me dites en commentaire. Lequel de mes super soldats vous voulez voir. Au cas où on me demande. Hein, parce qu'on me demande souvent. Est-ce que t'as fini. Oui j'ai fini. Comment on fait pour voir là-dedans. On peut voir quand même. Voilà, j'ai fini ça. Ouais, c'est fini. Voilà, c'est fini. Sur ce, mes petits dindons, bonne bifle à tous, à très vite. Et puis, bah, je vous dis, répondez rapidement dans les commentaires, parce que je pense que d'ici 3-4 jours, le temps de farmer un peu d'or et d'avoir ce qu'il faut. Il manque, je crois, un T5B, et on met 5R5, un de ces personnages farfelus. Bonne bifle à tous. Salut!